à tous et bienvenue dans Merpas sans tant pis, votre émission 100% consacrée aux jeux de combat. Aujourd'hui, et comme la semaine dernière, nous allons commencer par le trailer de la semaine. J'ai nommé le nouveau trailer de KOF 14, Giga Etienne. The King of Fighters. Ready, go! Voilà, c'était KOF 14, donc c'était beau. Andy Bogard. Giga Etienne, est-ce que tu peux Google image Andy Bogard, s'il te plaît? Pour me je faire suis plaisir. Un peu le Siri en fait. C'est Siri, trouve-moi l'itinéraire le plus rapide. Exactement. Pour la Paris. Si vous voulez Andy Bogard, c'est quand même mon frère. Vous voyez ? Mon frère, mon sang, ma patrie. Voir mon frère handicapé, malade, chétif, cancéreux, avec des mouvements à peine reconnaissables. Moi qui suis un mec de Fatal Fury spécial. Voilà, mon regardez, deuxième voilà. jeu de combat, regardez. J'ai envie de vous dire, regardez ses bras, il y a des muscles. Il y a des voilà, muscles. C'est ça. Andy Bogard, c'est quand même... Attends, regardez, tu vois, c'est des muscles. C'est... Voilà, à la base, ça, un c'est ninja. Des muscles. Ça, à la base, c'est ça. Sauf que bon... C'est pas le charisme absolu, c'est un... Oui. C'est un Américain blondiné aux cheveux longs. Mais je veux dire, quand on compare, Redon a vite fait la taille des bras. C'est le mec, il est anorexique. C'est ouf. Mais là, il y a un problème sur tout son corps. Regardez, là, le Zaneiken, par exemple, est problématique. Le Zaneiken pose problème, hein, d'un point de vue de l'animation. Il pose vraiment problème. Ça, c'est saut A, bas A, bas B, Zaneiken. Je suis désolé, mais là, le Zaneiken, on a vraiment l'impression qu'il a un bel encul. Regardez la trajectoire du Kuadan. La trajectoire du Kuadan n'est officiellement pas possible. Et ça, c'est le Shoryudan. Si, attends. Voilà, le perso a l'air livide. Mais mort. Les cheveux, on se plaint des cheveux de Ken dans Street Fighter mais 5. Voilà, c'est mais ça. Voilà, regardez-moi ça. Attends, regarde les cheveux qui traversent le corps pareil. Hein. Je suis d'accord qu'il y ait une évolution à chaque fois, mais là, autant, tu vois, la Kyo, il y a quelque chose. Ouais, mais surtout, regarde, là, je trouve que tu vois, le personnage, là, il est pas mal. Ouais, franchement, ça va. Peut aller, ça peut aller. À part le côté mais huile sur les cheveux. Je pense que l'œil est en train de s'habituer progressivement. Mais sincèrement, Andy. Dis-moi oui. Ah, dis-moi. Bah, non, mais regarde ça, juste le bas A. Là, le bas attends, A. Le bas, attends, le bas A. Je pense que c'est à ce moment-là où on m'a perdu. Regarde, dans le bas A, là. Le bas A. Là, là, ce bas A ici. Là, je pense qu'on m'a perdu. Là, à partir de là. Donc là, je peux vous le faire, hein, si alors, vous voulez. Attends, donc la jambe est ici. Hein, la jambe est ici. Là. Et donc, il fait ça. Voilà. On s'y croirait, hein. Voilà, donc là, vous voyez, donc là, je n'ai aucun charisme. Attends, on est vas-y, d'accord. Refais-le comme lui. Il part de là, tu vois. Comme ça, il part de là. Et après, hop. Et après, il revient, tu vois. Et après, il revient. Ah, comme ça. Donc, on est d'accord pour dire que je n'ai aucun charisme. On est d'accord pour dire que cet Andy n'a aucun charisme. Donc là, il faut faire quelque chose. Alors que ça, c'est du charisme, tu oui, vois. Oui, ça, c'est du charisme. Bon, après, évidemment, c'est le chara-designer qui donne le charisme ouais, du perso. Mais, je veux dire, regarde. Mais regardez, de base, Shinkiro. Voilà, Shinkiro, Fatal Fury 1. Merci. Clique Shinkiro, voilà, c'est ça, c'est l'image où t'étais dessus. Ça, c'est pas Shinkiro, je me souviens plus de l'arc designer. Là, c'est celui-là, voilà, ça, c'est Shinkiro, mais à droite, le Fatal Fury 1. Voilà, ici. Là, donc, de base, si tu cliques ça, donc voilà l'artwork d'origine de Andy Bogard. Voilà, donc tu sens quand même qu'il y a une volonté de tuer quelque part. Hein, et on en arrive à là. Voilà, ça, c'est aussi pas y a, mal. Il y a un regard. Il y a de l'expression, quoi. C'est ça, voilà. Si tu veux, il donne l'impression de... D'être en vie, quoi. C'est voilà, pas... exactement. Alors non, que là, on a l'impression de jouer... Regarde juste le regard. Oh non. Regarde ça, les yeux. Ouais, après, c'est sûrement pas tout le travail. Enfin, je sais pas, mais... En fait, ce que je comprends pas, ce qui est incompréhensible pour moi, c'est que si c'est... Regarde ça, le mec décolle comme ça. C'est jeu d'école. Attends. J'ai le droit de décoller. Après, je pense que si on voit un comparatif encore comme KOF 13, il y a peut-être moyen qu'en fait, l'œil, tu vois, ils disent que la 3D c'est dégueulasse et qu'en vrai, ça rend mieux. On sait jamais, tu vois, un comparatif à la clé. Mais c'est vrai que là, quand même, c'est. Non, mais si tu veux, non. Mon propre frère.
Non, là, c'est non. Là, c'est officiellement. Ce que je dis, c'est que bon, peut-être il y aura du travail, ce sera mieux après, mais là. Tu montes pas ça, tu je sais pas, mais surtout tu... pour donner envie. Après, le PlayStation Experience arrive très bientôt. Alors petite news en, au passage, il y a une conférence de presse pré ouais. PlayStation Experience. Ouais. Et le mec a dit en gros, le jeu sera exclusif sur PS4 en 2016. Ouais. Alors c'est peut, ça. On peut extrapoler. Est-ce que ça arrivera sur Xbox One? Peut-être en 2017. Ouais, mais je suis pas sûr que la Xbox One puisse faire ça quand même. Hein. Ça me paraît chaud quand même. Tant de polygones. Ouais. La, je pense la One. Je pense aussi que la One est sur les genoux là quand même. Regarde cet effet de lumière là. Déjà la One la gère pas, je pense. Ou alors uniquement en 720p. En 900p, tu vois. Là. Ou en 900p vraiment si tu pousses au max. Mais ouais, bon là c'est catastrophique. Alors on note quand même une évolution. Ouais, regardez, franchement, Yori a pris de la drogue. Je sais pas si tu vois à la fin. Va à la fin du trailer, tu vois, Yori a pris de la drogue. Après le juste avant le Burn to Fight, là où Yori, il y a un moment où Yori prend de la drogue. Juste avant ça, je crois. Voilà, regardez, voilà. Ah oui, quand voilà, même. Voilà, ah, voilà, voilà. Donc yo, là, grosse évolution. On peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'évolution quand même. Non, c'est là, Yori a pris de la drogue, exactement. Voilà. Donc il y a une avancée. Voilà. Il y a une avancée, il y a une avancée. Au fur et à mesure, tu sais, au fur et à mesure qu'ils regardent leur propre trailer de KOF 13, les mecs se droguent. Non mais franchement, ça va encore. Ce passage-là, je trouve qu'il est quand même relativement propre. Ouais, ça. Tu va. Vois, ça. Après, c'est la troisième fois qu'on le voit. Hein. Ouais, je sais, mais peut-être que c'est le Denis, mais je trouve que ça, les trucs, ils rentrent pas si mal que ça quand même. Hein. Ouais, mais Andy, il fallait pas montrer. Hein. Je spoil après. Faut bien montrer quelque chose parce que sinon, il y a rien de nouveau. Moi, Andy, j'ai trop mal. Et du coup, j'ai trop peur pour le reste du cast. Hein, parce que là, même s'ils essayent de donner un semblant de charisme à Kyo et à Yori, tu sais, ils rajoutent une petite chemise intérieure. Ils essayent de modifier. C'est beaucoup trop chaud. Donc là, j'indique tout de même qu'il y a un petit problème. S'il vous plaît, le jeu va être jouable dans 6 décembre. C'est quand c'est la semaine prochaine, en fait. Une, deux semaines, quasiment. La semaine ouais. prochaine, on aura accès au jeu. Le jeu est exclusivité PS4. Là, il faut faire quelque chose. Il faut donner envie aux gens de jouer au jeu. Je vous en supplie, messieurs de chez SNK Playmore, faites quelque chose. Si on va sur le trailer sur YouTube de SNK Playmore, dont les commentaires sont encore une fois désactivés, on trouve encore eh bien, plus d'avis négatifs que d'avis positifs. Et on trouve d'ailleurs un nombre de vues assez hallucinant sur ce trailer qui témoigne en fait que les gens se le repassent. Il y a de l'intérêt, il y a quand même un intérêt sur le titre, tu vois, enfin sur la licence. Les gens se le repassent pour rigoler, Giga Etienne. Mais oui, mais c'est... Les gens, c'est leur gif de chat. Chaque semaine, il y a un trailer de KOF 14, c'est comme un gif animé des petits chats qui font des bêtises. C'est rigolo. Mais en passage, si vous avez des réactions sur le trailer, des gifs ou je ne sais pas, des photomontages dégueulasses, n'hésitez pas avec l'hashtag MPSTP. Non, là, on ne parle pas du jeu, on ne parle pas du jeu, je vois le jeu de merde. On ne parle pas du jeu, là, on parle juste de la DA. On parle de la DA, on parle de la communication sur un jeu, on parle de ce qu'on montre aux gens. Vous comprenez ? Est-ce que SNK Playmore a réellement besoin de se nourrir du bad buzz à ce point-là? Là, je fais un point KOF 14. Je pense qu'on va commencer. Il va y avoir la rubrique, le point KOF 14. Aujourd'hui, c'est le point KOF 14. Vous savez, dans la matinale, il y a la météo. Dans Meurs pas sans temps pif, il y a le point KOF 14. Et là, la météo sur le point KOF 14, vous pouvez voir, c'est... On n'est pas bien, quand même. Oui, quel DA? Voilà, quel DA? Quel DO? Quel DO? Quel DA? Ben, quel DA? On se demande. Sincèrement, on se demande. Donc là, il y a un véritable problème. Mon très cher Giga Etienne, on attend évidemment le 6 pour juger du gameplay. On va voir peut-être un peu plus. Ça se trouve en mouvement, ça se trouve ils font des trailers, ils font juste des trailers de merde. Imaginons. C'est possible. Mais impossible. Mais note que la musique du trailer qu'on nous repasse est à chier. Hein. Moi, je la trouve. Non, à chier. Le King ça, of Fighter 14. Que ce soit la musique, le son, je trouve tout nul. Hein. Il y a rien à sauver. C'est mon amour pour KOF qui sauve tout ça. Hein. Parce que moi, je suis là en tant que fan de KOF. J'ai mon petit cœur qui se fait mal. Je dis, ah putain, c'est KOF 14. C'est le mec de Markov qui fait. Ah, ça va être bien. La DA est amateur. Il n'y a rien à comprendre. N'importe quel pro de la secte dira SNKP. Ce fou du monde nous dit Koga. Koga, pardon. Eh bien, oui. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est une petite boîte, vous savez. Ils ont peu de moyens. C'est des petits indépendants, tu vois. Ils vont nous faire un dive kick, non? C'est ça. C'est ça. Limite, faut voir KOF 14 comme un jeu indé. Voilà. Après,
Enfin, t'as des images de Cov 13. Tiens, passe-nous. Tu peux nous. Mets-nous la dernière vidéo de combo de Persona. Ah oui, de Cov 13. Mets-nous ça. Et mec, écoutez, on va juste se faire du bien. Hein, parce que, de toute façon, Summer Pass en temps pif est un peu plus long que d'habitude. Je vous rappelle donc le programme. Une fois la partie news, on parlera eh bien, de la Master Cup numéro 8 avec la finale de la Master Cup numéro 8 qui a encore opposé une team japonaise à une team coréenne. Qui a gagné cette année-là? Qui va succéder à la team japonaise, je crois, qui avait enfin conjugué. Attends, j'ai encore mieux pour toi. T'as encore mieux pour moi? Vraiment. Parfait. Vas-y, balance-moi tout ça. Et ensuite, évidemment, deuxième partie, on parlera de la Topanga League avec les phases finales de la Topanga League et les meilleurs matchs de cette Topanga League. C'est une comparaison des trois trailers. Une comparaison des trois trailers magnifiques. Voilà. Trailer 1, donc la trailer 2, donc comme on peut voir, hein, c'est... Et donc voilà. Et trailer 3, donc comme on peut le voir, bah, y a, je sais pas, je vois même pas la différence, Giga Etienne. On va voir là. Sincèrement. Ok, entre trailer 2 et trailer 3, il y a un peu plus de flou, un peu plus de lumière blanche, tu vois, pour ouais, un peu adoucir, tu vois. Il y a des effets histoire qu'on voit pas que c'est moche, d'accord. Bah, ouais, surtout au niveau du rouge là, qui est bien vif, là, il y a un peu plus bleuté au niveau de la lumière des spots, tu vois. Ouais, le derrière, ça a un peu changé, l'angle de vue aussi. L'image de Kyo est complètement différente. Ouais. D'accord. Bon, on voit que c'est en pleine évolution. On est devant le truc Neo Geo qui est pas mal fait. On va voir qu'il y a des petits effets de lumière qui sont un peu modifiés. Bon, après, c'est pas. Après, Chang a toujours la même tête à la con. Que... Après, ça peut être les qualités de trailer. S'il te plaît, mets-nous juste un tout petit peu de Cov 13. J'en ai besoin. Je t'inquiète pas. Je t'apporte ça sur un plateau d'argent. J'en ai vraiment besoin. Giga Etienne, là, tout de suite, maintenant, j'ai besoin d'images de Cov 13. J'ai besoin de rêver. J'ai besoin qu'on me vende du rêve. Donc oui, les meilleurs matchs de la Topanga League A, ça c'est en exclusivité pour vous. Hein. J'ai décortiqué un peu les VOD de la Topanga League pour vous tirer un peu toute la quintessence. Et globalement, ce qu'on va voir, c'est surtout les matchs de Daigo. Donc il y aura Daigo Bonchan, Momochi Daigo, Kazunoko Daigo. Et si on a le temps, Momochi contre Kazunoko. Donc les 4 joueurs du top de la Topanga League A. Ah, voilà, merci. Merci, ah oui, bah ça c'est... Regardez cette animation, regardez cette DA... Regardez comment ça bouge bien. Regardez les sprites, la taille des sprites en pur 2D. Regardez comment Ryo, il est trop stylé. Alors au passage, pour ceux qui connaissent pas ces combos vidéo, il s'agit de Persona qui a fait quasiment... Bah, je pense que c'est le dernier personnage qui vient de faire Cov 13. Ouais. Donc si vous êtes curieux, bon, c'est des combos qui sont vraiment, on va dire, pas trop réalisés, donc on a les ouvertures. Ouais, c'est les ouvertures. Il fait des combos vidéo qui sont vraiment stylés. Sauf c'est comme en attaque, c'est pas facile. C'est ça. Mais on voit qu'à chaque fois, il commence avec les ressources pile-poil pour faire le combo. C'est ça qui est assez intéressant. Voilà, Cancel Fury, Boule, encore une fois, Plaf, Cancel Téléport. Utiliser toutes ses pastilles. Et quasiment toute sa barre. Et là, il a un 100%. Vous voyez. Avec 5 barres. Donc ça, évidemment, ça n'existe pas trop. Mais c'est toujours stylé. Alors ça, c'est un tas au passage. C'est un tas ? C'est un tas. D'accord, ça, c'est un tas. Ok. C'est un tas. Ok, bon. Évidemment, en tas, on peut réaliser des trucs un peu... beaucoup plus difficiles, hein, généralement. Très difficile à réaliser. C'est des trucs japonais, quoi. Ouais. Sur Cov. Donc voilà, ça, c'est vraiment histoire de s'amuser dans le combo. Et là, il peut remettre encore... Projectile multi-hit, on voit que les furies ne subissent pas le damage reduce. Hein, on l'a bien constaté ici. Et du coup, eh bien, la fin du combo voilà, se termine encore par une super. Et fait encore une fois 100%. Voilà, merci Giga Etienne. Si vous voulez regarder tout, je vous spoil pas toute la vidéo. Je vous invite à aller regarder la dernière vidéo de Persona. Alors Persona, pas le jeu, hein, Persona ouais, le joueur. Ouais, c'est un joueur, c'est ça. Voilà. On va passer rapidement donc sur la partie news parce qu'il y a quand même quelques news. Sachez que en Europe, eh bien, une édition Day One de Street Fighter V sera donc prévue avec une Steelbox. Donc vendue avec une Steelbox. Je sais pas ce qu'ils ont, hein. Ils ont fait. Ils font le coup pour tout, bout de borne. Moi j'ai FF type 0 avec une Steelbox. Donc la version Day One sera vendue avec tout le contenu au lancement. Donc visiblement la version Steelbox aurait je crois que tous les costumes de lancement ou des trucs comme ça. Giga Etienne, c'est tous ceux qui sont dans les pré-réservations. C'est ça, les costumes de Chun-Li. Alors qu'au passage, si vous êtes curieux, il y a une pub pour un shampoing et on voit le costume alternatif de Chun-Li. Tout à fait, hein, qui ressemble à s'y méprendre d'ailleurs à celui de Street Fighter 4 de toute façon, assez identique. Et donc voilà, mon Steelbox, hein, je suppose que ça va être plus cher et que c'est encore une raison de payer des DLC pour une Steelbox. Mais Steelbox, ils sont infinis. En fait, je crois qu'il y a un fournisseur officiel de Steelbox qui fabrique des Steelbox et qui ensuite les met un peu dans tous les jeux, dit tiens, ça te fait ton collector. Bah, en même temps, c'est ça, c'est pas une boîte en plastique, c'est une boîte en métal, c'est sérieux. C'est métal. Métal. Oui. Ah bah, t'sais, il faut attirer les gens comme on peut, tu sais, c'est la carotte du Day One, c'est pour avoir le plus de gens qui achètent le jour 1, on t'offre soit le jour un petit goodies au Micromania, bah soit un Steelbook. Comme ça, le mec, il dit tiens,
je soutiens le jeu directement et j'ai un petit cadeau qui me récompense, tu vois. Donc la note qu'on voit ici des brides donc du stage de Ryu hein, avec ce temple et le Ryu dessus et à l'intérieur de la box, alors je sais pas si c'est juste le Photoshop qui fait ça, ils ont mis le stage de Chun-Li. Alors, j'ai l'impression que c'est Photoshop, hein. L'angle n'est pas possible. Hein, ouais, je suppose peut-être qu'à l'intérieur il n'y aura pas vraiment ça, c'est juste histoire de montrer. Peut-être que ce n'est pas une boîte définitive, mais bon, enfin, en tout cas, il y a ça. Voilà, donc on a, on sait un peu plus sur les précommandes du jeu qui sort, donc, je rappelle, le 16 février prochain. Ça va arriver vite, hein. Croyez-moi, ça va arriver très, 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 très vite. Imaginez, là, on va passer les vacances de Noël, on va tous prendre une, deux semaines, tranquille, hors des web TV, hors tout ça. On rentre, bla, il y aura la GDQ, ça va aussi se passer à la vitesse de la lumière. Et un mois plus tard, Street 5. Donc, bah, on verra plus, verrez. Donc, profitez du Ken Bogard que vous avez là. À partir de février, vous le verrez plus. J'avoue, vous me verrez à Cannes. D'ailleurs, en parlant de Cannes, les inscriptions pour le Cannes Winter Clash viennent d'être ouvertes. Hein. Vous pouvez, bien entendu, bien d'ores et déjà vous inscrire au tournoi du Cannes Winter Clash et d'ailleurs constater quel tournoi sera là avec le premier tournoi Street 5 réel du circuit européen et du circuit mondial. Mais il n'est pas Capcom Pro Tour, si je dis pas de bêtises. Il est pas premium, mais il est. C'est quand même un gros tournoi. C'est quand même un gros tournoi. Pointo, hein. Il est Pointo. Ah, donc, il est Pointo. Okay. Il me semble qu'il est Pointo. Oui, il me semble qu'il est Pointo. Donc, ne manquez pas. Plus vous inscrivez tôt, Cannes, c'est toujours la même chose. Vous savez, là, c'est du 22 au 24 février, je crois. C'est toujours la même chose. Plus vous réservez vos billets tôt, plus vous réservez votre hôtel tôt, moins c'est cher. Et pareil pour le prix des inscriptions au tournoi. Il y aurait pas de tournoi Guilty à Cannes à ce qu'il paraîtrait. Je vais regarder sur le site si tu veux. Par je veux bien que tu regardes sur le site, mon très cher Giga Etienne. En attendant, je vais t'en demander peut-être beaucoup, mais sachez que on parlait de BlazBlue. C'est fiction. Attends, je vais te dire le nom exact car j'ai des vidéos qui sont prêtes. Et merde, c'est en japonais. Central Fiction. Central Fiction, c'est ça. J'ai impossible de me le... J'ai marqué CF là, sur mes notes. Impossible de me souvenir. Du 26 au 28, merci. Du 26 au 28. Donc, BlazBlue est sorti au Japon. Je vous ai dit, il sortait il y a quelques jours. En fait, il sortait la semaine dernière, juste après le Merpas sans ton pif. Et donc, on a les premières images. Alors, si vous voulez voir des matchs de BlazBlue assez stylés, sachez que Hatcho organise la plupart du temps des rankings et surtout font des rankings Day One de façon assez régulière. Et là, sur le site de Game Hatcho, on en a pas mal. Donc, la Cannes Winter Clash. Alors, 2015, je sais pas si c'est la bonne édition. C'est 2016. Guilty Gear Xrd dans tout cas. Ouais, mais je sais pas. C'est... Non, je pense pas que c'est. Ah non, c'est pas. C'est pas à jour là. C'est pas à jour. Ouais. C'est pas à jour. C'est pas à jour. C'est pas le site d'achat. C'est pas à jour. En tout cas, eh bien, je sais que l'achat des places est à jour. Et Gizmo nous dit, il y a pas Guilty. C'est possible qu'il y ait pas okay. Guilty. Ah, peut-être que Cannes veut se recentrer sur moins de jeux, mais va y avoir quoi, Smash Street alors, déjà, ce que je trouve un peu triste, c'est qu'on a perdu Soul Calibur, qui quand même, on va dire, quand même, le Cannes Winter Clash était connu oui. Pour les droits de Soul Calibur. La à World la base. Game Cup était connu pour oui, les Soul World Calibur. Game Cup, excusez-moi. World Game Cup. Maintenant, le Cannes Winter Clash et d'autres organisateurs, c'est le même lieu. Ouais, je sais, mais pour moi, Cannes, c'est toujours été, tu vois, ce côté des matchs de Soul Calibur. Bah écoute, c'est... je suis champion d'Europe de Sailor Moon. Donc, ah non mais attends, tu veux qu'on parle de karaté qui est vice-champion de plein de choses, vice-champion d'Europe. Moi je suis champion d'Europe de Sailor Moon, en revanche il n'y a pas d'embrouille, le tournoi de Sailor Moon de Cannes, je l'ai remporté, mais remporté, voilà, en finale contre Mao il me semble, donc il y avait l'ambiance, hein. Par contre on s'est fait bourrer par les Suédois à Breakers, hein. Yagami nous a mis 100-0, hein. C'était violent. Voilà, donc ça, c'est les vidéos de la salade show. Avec récemment. L'un des nouveaux personnages qui est Izuo, je sais plus comment. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé vite fait les deux matchs, enfin les deux vidéos de 1h30 de la salle à show. Ouais. Ce personnage, on le voit de temps en temps, mais le deuxième personnage, il a l'impression qu'il n'est pas encore joué. Je ne sais pas s'il est lotier ou simplement ils n'ont pas encore trouvé les possibilités. Mais principalement, on ne voit que lui, des deux nouveaux personnages. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ils sont en train de chercher. Mais globalement, bon, bah, c'est BlazBlue, hein, une attaque spéciale, un peu votre V-skill par perso. Et des pressings, beaucoup binistes, ouvre la garde, il y a un combo qui dure très longtemps. Puis tu recoubinises, puis il y a un nouveau combo qui redure très longtemps et je trouve voilà. Un peu blasé quand même pour être le numéro 1 français de BlazBlue, la voix française de BlazBlue. En fait moi je trouve le rythme du jeu en fait méga méga chiant. Genre pourquoi en quel sens c'est... Ouais. Le jeu est sympa à jouer mais le rythme du jeu est relou, surtout parce que les combos c'est beaucoup je t'envoie en l'air, j'attends
et je repêche et je recommence, j'attends. Et je te repêche, je recommence et j'attends. Et je te repêche, je recommence et Fury. Voilà. C'est souvent comme ça, les rythmes des combos dans Blaze Blue. Et sûrement parce qu'on voit peut-être trop d'Azama ou de trucs comme ça. Mais sinon, le jeu a un système complètement stylé. Après, on attendra qu'ils aient fini toutes leurs itérations. Non, mais ça arrivera jamais. Le truc. Hein, ça, on, ça arrivera jamais. Hein. Chaque année, à chaque fois, deux nouveaux persos, ils font une nouvelle version. Hein. Ça fait. Ouais, même l'année dernière, je l'ai tué, très bien. Chrono Fantasma, c'était le dernier. Bah non. Ah, les photos durent pas, les combos durent pas longtemps depuis CP. Bah regardez cette vidéo, hein, je me la suis tapée. Hein, et bah si, ça dure longtemps. Ça dure longtemps, ça dure très longtemps. Surtout dans le coin en fait. Une fois que t'atteins le coin. Ah si, si, c'est long, hein, je vous assure, il y a toujours les combos longs. Hein. Ouais, Chrono Fantasma a pas forcément tout changé. Hein. Voilà, après on a. C'est qui Ram Létal elle? Non, c'est pas Ram Létal, comment elle s'appelle? La Valkyrie? Ouais, la Valkyrie. Je connais même plus les noms des persos, c'est pour te dire. Bah, tellement 36 000 que j'ai plus retenu. Autant CTCS ça va encore, CS2 ça va encore. Et Central Fiction là, Extend, hein, ça arrive bientôt. Bah c'est plus du tout ça, après t'as pas des combos à regarder. Bah là, oh, juste on va passer un match... Attends, c'est pas Azama ça, c'est un autre mec. C'est Azama je crois. Hein. Non, non, c'est son costume alternatif là. C'est son costume alternatif. On va voir si on voit des lianes, c'est Azama. Ah oui, t'as raison. Wow, bah non, c'est pas Azama, il a pas le. Ah oui, il a pas les. Il a pas le grappin, c'est un Azama Burst. C'est Azama Yex. Ils font 8 combos, arrêtez la mauvaise foi. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Attends, voilà. Reset. Attends. Après... Attends, on va recommencer le match. Non, mais là, ça a raison, c'est pas long. Mais après, c'est pas les persos qui combattent très très longtemps. Mais il y a vraiment des persos dont le rythme est assez relou hein, quand même. Et après, ça dépend si t'es sur counter ou pas counter, mais. Ah, dans Guilty, les combos sont longs, mais ça, c'est pas le problème des combos, c'est juste le rythme que je trouve assez. Terumi, ouais, c'est ça. C'est Terumi, merci. Bon, bah, bref, le jeu est sorti. Si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, il y a un très bon niveau justement sur cette salle Hacho. Bah, je vais le mettre sur le chat. J'attends que ça sort. Oui, Terumi et Azama sont les mêmes persos. Bah, ils me donnent bien, c'est la version X. C'est la version X. C'est complètement la version X. Ça a changé, Ken. Ah oui, c'est vrai, je parle de Blaze Blue, je parle de tout ça. Tu parles de KOF. Attends, ça parle de KOF. Ouais. Ça fait 25 minutes, on n'a pas parlé une seule. Ah si, on a parlé d'un steelbook de Street Fighter V. Eh ben, mais... on va continuer comme ça. Hein. On ne parle pas. Des sous-jeux, bien sûr. On ne va pas du tout parler. Non, mais moi, je vous jure, les noms des persos de Blaze Blue, j'ai abandonné. En plus, je déteste les jeux où ils retirent les noms des persos comme ça pour mettre des informations. Pourquoi tu retires les noms des persos? Dans Tekken, c'est pareil. Il n'y a pas les noms des persos qui vont apparaître sur le truc. Du coup, à mon avis, je vais me planter. Parce qu'on va parler de Tekken, car ce week-end avait lieu la Master Cup numéro 8. C'est un peu le championnat du monde de Tekken. C'est un tournoi en 5 versus 5, élimination directe, qui regroupe les meilleurs joueurs du monde et les meilleures équipes du monde de Tekken 7 pour le coup. Je rappelle que Tekken 7 est un jeu exclusif en arcade pour le moment, qu'il a été annoncé sur PS4 récemment. Avec beaucoup de contenu additionnel. PS4 et One. Non, si. Si, en fait, il y aura du contenu exclusif PS4, mais ça sera aussi sur One. D'accord, ok. Ça sera aussi compatible VR, mais en gros, ça sera sur PS4. Quel choix étonnant. Et One. Quel choix étonnant. Bah, alors, peut-être qu'on aura une version Wii U. Même si Arada a l'impression qu'il kiffe la Wii U, je crois que c'est le seul japonais qui kiffe la Wii U à ce point-là. C'est excellent la Wii U. Ah ouais, c'est excellent, mais trouve-moi des mecs qui sont ambiancés par créer des trucs sur Wii U hein, au Japon. Hein. Ouais, j'avoue. Bah écoute, il y a le Mario Tennis. 10/20 ? 10/20, ouais, c'est ça, exactement. Donc voici cette Master Cup 7, on en arrive aux phases finales. Une team coréenne, alors vous pouvez les voir les Coréens ici. Hein. Ils sont facilement reconnaissables, ils ont toutes la même coupe de cheveux. Oh, bravo ! Non mais oh, quoi, n'importe quoi ? N'importe quoi ? Mais c'est vrai. Ça fait. Alors, vous êtes de ce genre-là, en fait, des blagues sur le faciès des gens. Mais quoi, voilà, eux, ils sont japonais, ça se voit. Tu vois, ils ont tout le public derrière eux et eux, ils sont coréens, ils sont plus jolis. Mais par contre, il y a personne derrière eux parce qu'ils sont au Japon. King contre Kazumi. La Kazumi d'un Coréen que je ne sais pas, dont je ne sais pas, je ne pourrais pas lire le nom. Et King, c'est un main. Hein. Et ce King a fait très 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 mal. Team Ranchu hein, contre Team K.
Kazumi Yosu. Donc là, ils se sont. En fait, ils se sont trompés de côté. Kazumi Yosu, voilà, et de l'autre côté, exactement. Ah, bah, Ranchu, bah, c'est bien, il marque les noms, c'est le trim anglais que j'ai pris. Je suis vraiment, vraiment, absolument parfait. Kazumi qui est à peine reconnaissable hein, dans ce costume. Plus du tout, du tout, du tout en mode traditionnel. Donc, je vous rappelle, un des gros changements de ce Tekken 7, l'apparition de Super à la clé. Sinon, eh bien, beaucoup des combos de Tekken 6 sont encore en train de rentrer. Principe de Tekken, évidemment, comme vous êtes sur un plan, comme vous êtes sur un plan 2D au sol. Enfin, c'est un jeu 3D, mais évidemment, vous évoluez en deux dimensions, plane. C'est un peu bizarre. L'idée est de trouver les coups avec bonne priorité, bon block stun, afin de pouvoir contrer l'adversaire et envoyer quelques stuns. Ça, c'est le stage de Shine, un des nouveaux persos. Perso complètement stylé, d'ailleurs. Très, très, ils ont vraiment bien réussi, hein. Leur perso arabe dans cette version Tekken 7, hein. Il grave stylé, tu vois qui c'est Shine, Giga Etienne. Oui, t'inquiète pas, je vois un des nouveaux personnages avec la brésilienne, je sais plus comment quelle nationalité la nouvelle le nouveau personnage. Je ne sais pas non plus, bah ça se trouve ils ont fait exactement comme dans Street, hein. C'est ça. Ils ont mis Moyen-Orient et Brésil, hein. C'est ça. Alors, c'est fort possible, hein. Du coup, je sais pas si on a beaucoup de super, parce que la super c'est une mécanique de comeback assez, ouais, assez, enfin, assez craquée quand même. C'est super armor, t'as des priorités un peu tarées. Bah, c'est un pif, hein, maintenant c'est devenu. Ah, voilà, mais c'est un pif. Hein. Bah, ça remplace un peu l'autre système de comeback. Le rage mode. Ouais, le rage mode qui était un peu. C'était très fort hein, quand même. Après, le pif peut se placer en combo. On a une bonne chop spé qui vient de rentrer. Regardez les dégâts quand même sur Kazumi qui se relève instantanément. Qui high kick en pleine garde et après ça joue footsies, hein. C'est vraiment le jeu des footsies, hein. Pour apprendre les positionnements, les priorités des coups, les frame traps, Tekken c'est assez excellent. Voilà, petit copain, celui de copain, patate patate et après on attend de voir, hein. patate, voilà, il fait tilt trop, mais il y a des chops juste derrière avec trois des chops possibles, hein, sur les chops P. Il a bien trouvé la bonne des chops juste là. La mise au coin est assez bonne pour Kazumi Yosu qui est en train de dominer globalement l'échange mais qui est en retard à l'énergie. On devrait passer un petit launcher là histoire de se mettre bien. T'as vu, il hésite à frapper quand même. Il a raté le whiff punish ici et il se fait launcher et malheureusement c'est surtout que le pressing ça sert à pas grand chose en soi parce qu'il n'y a pas de grattage dans le jeu. Autant dans Street 4 tu peux essayer de gratter avec des coups, là tu dans la garde c'est dans la garde, c'est genre ça limite tu peux le pousser mais il n'y a pas de grattage, donc faut vraiment trouver une ouverture sèche, hein, ce côté là tout à fait. Bah oui, c'est ça, hein. C'est ça, en fait, tu grattes pas vraiment, mais surtout, la garde est automatique, hein, dans Tekken. Alors, pas la garde basse, faut être baissé, mais sinon, si t'appuies pas sur un bouton, tu mets la garde. Donc voilà pourquoi il faut faire attention à systématiquement soit contrer un coup qui vient de sortir, soit, voilà, exactement comme ça, vous voyez, le King a essayé de placer, de se décaler vers une chop, blah, il a pris un overhead, grand bounce, qui launch, et juste derrière, il y a combo, et ça fait 1-0. Pour les superstars fit Twitch, la team coréenne. Attention parce que les Coréens là ils sont au Japon et à chaque fois c'est la même chose. Finale team japonaise contre team coréenne. En plus la team Kazumi Yosu ils ont tué une autre équipe coréenne juste avant. Donc là ils arrivent en finale mais ils ont déjà 1-0 contre eux. Et c'est plus compliqué. Vraiment plus compliqué. Donc Kazumi Yosu est dehors. Lui qui avait quasiment striké l'équipe coréenne, il me le semble, en demi-finale. Notez quand même que... Alors, je peux même t'interrompre. Grâce au chat qui m'a dit comment trouver les jeux qui sont sur le Tekken Winter Clash. Donc, il y aura Street Fighter 5 en simple, Street Fighter 5 en 3v3, USF4 en simple, Smash Wii U en simple, Smash Wii U en 2v2, okay. Smash Melee en simple, Smash Melee en 2v2 et KOF 13. Ah ouais. Pas de Sudka, pas de. En gros, street, smash, c'est ça. Et KOF 13, parce que. Il y a un petit KOF 13 histoire dure quand même. Et on met KOF 13, quoi. Mais ouais, pour l'instant, il y a ça. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres jeux qui se débloqueront? Je ne sais pas, mais ce qu'on nous propose d'acheter en billets, c'est seulement ça pour le moment. Ok, bah. Avec deux streets, je vais avoir deux fois plus de travail, moi. Oh là là. Ça pourrait être pire, tu pourrais faire du Smash. Eh ouais. Allez, Akaio face à Ranchu, encore un King dans cette équipe pour tenter de revenir au score. On voit que le match-up est quand même super bien connu par le Coréen. Ça va être difficile, les Coréens qui se sont offerts les bornes, hein, quand même et qui peuvent jouer depuis chez eux. Donc, en fait, vous voyez,
Là, ça veut dire communication. Et les deux bornes communiquent et mettent un peu de temps avant de communiquer l'une avec l'autre parce que chacun possède son propre jeu, etc. Et puis même, c'est, je crois que c'est, y a beaucoup de, enfin, une nouveauté aussi du set, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'online mis en avant, quoi. Oui, et tu peux jouer online au jeu, tout à fait, exactement. Online en arcade. C'est ça. C'est assez intéressant, mais je crois que c'est uniquement Japon. Je crois pas que les Coréens puissent jouer avec. Je veux dire, les bases de Tekken restent plus ou moins les mêmes d'un jeu à un autre, surtout Tekken 6. C'est sûr que les décors, le bounce de 50% là. Ouf! 70 quasiment. Par contre, il l'a sorti du coin, mais il y a chop, mais c'est quand même déchopé. Gros launcher ici passé. Et Kazumi qui se décale pour re-Okizem. C'est vraiment le jeu de l'Okizem en plus, hein, ça. Mais petit dash avant, ensuite tu remets un lot. La garde est bonne. Dash avant, overhead. Tu sais, il essaye de minder la garde du King. Qui a tapé un coup dans le vent, là elle a fait 1-2 et le deuxième est passé dans le vent. Elle a raté le launcher, cela dit le King maintenant se retrouve dans la barre rouge avec un high kick qui est, enfin mid kick qui est dans la, là aussi dans la garde. Et ça c'est un low punch il me semble, je ne sais même pas ce que ça a touché, mais ça fait 1-0, magnifique comeback de Ranchu qui est vraiment vraiment surdéchaîné pour moi. Voilà, contre, tu vois il a essayé de se décaler pour faire le coup de pied de Chuck Norris. Finalement c'est lui qui rentre dans le combo et là il y a le coin, qui dit le coin dit Okizem. Voilà, l'Okizem le vit mal puisque le deuxième coup était un overhead. Et l'a bouffé, là il est dans le double coin. Pour sortir de là c'est très difficile, il va être obligé de faire quelques footsies, se décaler par sa droite. Mais voyez comment eh bien Ranchu tourne autour de lui dans la bonne direction afin de le laisser vraiment sans possibilité de reculer. Et maintenant il a plus qu'à attendre le coup unsafe ou le contre, voilà, pour pouvoir le démonter. Oh là là. Ah, ils ont encore, sont encore descendus d'un autre espace. Je crois que c'est plus, c'est quasiment infini. Mais ouais, c'est le bounce, c'est tellement craqué. Le bounce c'est craqué, ouais. Dès que tu tombes d'ailleurs d'une échelle et bien enfin d'un étage, eh bien tu avances gratuit, mais après tu peux plus sur leur trône. Alors sachez que ça joue toujours en 3, ouais. Malheureusement il a pris ce high. Pff, les dégâts mon gars, et je crois qu'il va mal vivre l'Okizem. Non, il s'est relevé instant avec la garde, mais la double touche extrêmement favorable à Ranchu qui va recopane. Ça, ce coup il est safe au possible, il teste juste, et s'il y a un contre après il voit, regarde à la distance à laquelle la wave finish, il lui met 3-0 sur cette deuxième match. Très content de lui avec ses potes qui sont à fond derrière lui. Eh ben il l'a défoncé mon gars, il était bah, tellement surtout le, surtout le premier round, quoi. Le premier round il avait vraiment un avantage, un très bon combo de la part du King. Et Kazumi il est carré vivé et mode vénère. Hein. Non, je trouve pas Tekken soit chiant à regarder, moi justement je trouve que c'est cool. Non, c'est plutôt impressionnant Tekken hein, d'ailleurs hein, à regarder. Là ça réfléchit hein, dans le camp japonais parce qu'on risque de repartir brecouille. Ils sont dans l'eSport Arena d'ailleurs de Akihabara. La salle qui accueillera aussi la Topanga League qu'on verra en deuxième partie d'émission. Tu peux faire avance rapide hein, pendant qu'ils sont en train de discuter. Hein, franchement, savoir quel japonais va se faire manger tout cru, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Impeccable. Alors je sais pas s'ils choisissent le terrain ou si du pif, parce que vraiment chaque terrain a vraiment ses possibilités. Oui. Des seuls alors, jeux de combat vraiment. Il me semble le que combat, premier stage c'est random et ensuite celui qui perd choisit. Ok, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que selon le terrain, bah, les bounces en bas aussi, en fait les interactions avec le décor sont vraiment très intéressantes, surtout la taille du terrain peut influencer sur comment pousser l'adversaire ou pas et gérer les combos en conséquence. Quoi. Ah, ça joue le mecha. Alissa, très bien. Alissa est un perso difficilement à saisir, faut vraiment bien connaître. Nissin qui va s'élancer. Nissin ? C'est pas là une marque de ramen minute. C'est pas impossible. Je vais voir ça. Ouais, je tu dois avoir des pubs japonaises Nissin, à mon avis. Voilà, là, Alissa qui salue. Et maintenant, le mecha doit faire le taf pour le moment. Ouf, ça commence par high kick, suivi de dash et chop de mise au sol. Hein, c'est à la Free Fight. Hein. C'est de l'UFC. UFC que choisir. Double touche qui est très favorable à la Kasumi qui restera sur ses pieds. Elle retente encore un petit high kick en overhead, histoire de grand bounce, hein, parce que les combos grand bounce sont bons. Ça, c'est un coup pas safe qui a été puni encore une fois par triple coup copan. Encore coup unsafe, cherche l'overhead le japonais. Et là, le follow-up est encore dans la garde. C'était safe ça? Je sais pas si c'était safe ou pas. Il est trop mais, gourmand. Ah, ouais. Le coréen l'a juste pas respecté. Ça fait la deuxième fois qu'il a mis la manchette en montant. Et sinon, Nissin, c'est bien la marque de les Soba, tout ça, qu'on peut aussi trouver en France. Hein. C'est ça. C'est complètement ça. Ouais, whiff finish parfait sur ce copain bien dans le vent.
Avec un Tatsumaki, c'est relevé en Tatsumaki. Ouais, c'est bizarre hein, de voir hein, quand même les. Enfin, certains joueurs qui sont. Enfin, certains personnages qui sont très Street Fighter-esque. C'est assez étrange de voir d'ailleurs des personnages comme ça dans Tekken. C'est pas perdu, hein. Même à 2-0, là, les Coréens sont vraiment, vraiment devant. C'est extrêmement risqué de la jouer comme ça. Ce kick ascendant, s'il est pris dans la garde. Bon, visiblement, ça c'est safe. Mais oui, il a essayé d'esquiver une droite parce qu'il avait tendance à souvent faire jab-jab. Histoire de bait, mais du coup il a fait juste kick sur le côté qui a rattrapé le décalage vers la gauche de Nissin qui reprend contre là-dessus et qui a failli sur le stun perdre très très cher. Ah voilà, là vous avez les vrais combos d'Alissa avec le Kizem raté. Bon alors ça a été tellement fort. Parce que vous savoir que Tekken c'est super dur à la relever. Dès que vous êtes au sol, vous êtes tout le temps désavantagé. Les Janken c'est 2 contre 1, hein. T'as 2 chances de manger et 1 chance de garder. Bah surtout dans le coin où c'est vraiment si tu te prends un coup, on peut voir que les différents stages avec les différentes interactions. Alors il y a une réaction sur le chat, je sais pas ce que t'en penses toi, qui dit souvent, beaucoup de gens sur le chat disent que Tekken 7 est plus beau que Street 5. Qu'est-ce que tu en penses toi? C'est fort possible, Namco ils sont sur fort pour rendre les jeux beaux. Après c'est plus beau mais ça n'a pas... Shine. En plus avec cet artwork là... Il est Jojo. Il est complètement Jojo. Ah la Shine. Si je mets les mains sur le jeu. Alors plus beau, ouais. C'est surtout que les personnages sont assez lisses, vous voyez. Puis même, je trouve que les effets les effets de vêtements, genre sur le. Même les effets de lumière, je trouve qu'ils sont bien. Bah déjà, hein. Ouais, déjà, les cheveux sont pas ridicules, quoi. Tu vois. Donc oui, dans ce sens, mais c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de grosses DA. Dans Tekken, c'est les persos restent quand même relativement lisses. Bah, c'est pour ça qu'il y a un gros système de custom pour vraiment s'approprier c'est les personnages. Ça. Exactement, c'est ça. Alors que dans Street, vous avez vraiment une DA à chaque Street. Mais ouais, le jeu est magnifique. Hein. Tekken 7 est absolument somptueux, hein, c'est sûr. Oh, le Shine, il a l'air de n'y connaître absolument zéro. Makoryu Shine. Alors, vous remarquez que ça change souvent de côté hein, au fur et à mesure du temps. Makoryu, le dragon de Mako. Je sais pas si c'est le Mako de Final Fantasy. Oh, parfait. Parfait ce contre. Il est tellement puissant, plus Shine. C'est pour moi un des nouveaux persos les plus réussis hein, qu'ils aient fait. Hein. Ça a l'air complètement au pif, mais le mec, il patate. Il a vraiment l'air violent, tu vois. La garde est méga bonne. Les déplacements de Makorius sont parfaits. Glissade, ça c'est super risqué. Mais il a vu que le low était tentable. Du coup, il lui a remis un petit low kick en OTG. Histoire d'assurer un poil de dégâts. Vous voyez à quel point il est prudent. Il a analysé bien, le jeu d'Akazumi qui a taunté. Je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas si c'était un contre ou quoi. Mais en tout cas, direct, tu prends 50% de barre. Hein. Ah bah, c'est cash. Hein. En plus, il a pris sur l'Okizem un petit kick. Il remet low. Et à la relevée, copain. Oh, il se fait plaisir. Il se fait tellement plaisir, le Shine, là. Vous avez vu, hein, beaucoup, beaucoup de mécaniques. Dash, il attend un tout petit peu. Il va mettre un bas petit pied. Bon, là, par contre, il a pris la Temi Punch, qu'il a envoyé quasiment dans le coin. Ça, c'est... Ah, il a essayé de whiff finish avec un somersault. Mais malheureusement, il était un tout petit peu trop loin. Ça aurait launché. Hein. Et là, les combos de jungle, les principes hein, de combos de Tekken. Soit, voilà, avec ce genre de coups-là, ces petites chops sont quasiment identiques avec tous les persos. Tu launches l'adversaire. Soit, tu mets un high kick assez lent qui... Grand Bones l'adversaire donc il fait rebondir sur le sol et qui ensuite le tue. Alors attention, il y a super possible. Il va essayer de bait peut-être une attaque pour contrer. Non, par contre, ça c'est pas safe. Je me disais bien que c'était pas safe. Il joue vraiment pas safe hein, quand même ce Shane. Ouais, mais c'est passé à chaque fois. J'ai envie de te dire, le mind game était là. Hein. Il en a réussi 2 sur 3. Il en a réussi 2 sur 3. Ouais, somersault à la relevée, là non plus c'est pas safe. Le coréen va le défoncer. Il est dans le double coin. Pour sortir de là, ça va être extrêmement compliqué. Faut absolument. Tu vois, là il se dit, il faut que je me décale vers la gauche. Le truc c'est que si, eh bien il le fait, il est cramé et le coréen le punit. Voilà pourquoi il a choisi de rester contre le camion et d'attendre un tout petit peu comme ça son heure. Et en fait, son adversaire a perdu patience et il a pu trouver l'ouverture de garde, ce qui est assez malin. Bon, par contre, il reprend encore Atemi pour essayer de se faire marcher dessus, mais il a bien esquivé, ce qui a permis de se relever. Oh, mais ça sort tellement vite. Double touche sur la relève. Il y a un pif garanti ou pas? Ah, il peut pas juste piffer comme ça. Et ça, c'est pas safe. Hein. J'ai l'impression qu'il agit un peu en prévention obsèque et pas forcément en contre. Mais c'est dur hein, de voir les coups de l'adversaire et de vraiment contrer dans Tekken. Allez, l'overhead est gardé. Là aussi, c'est gardé. Seulement, visiblement, il y a un overhead qui est safe et l'autre qui l'est pas. Le combo corner. Le combo corner tigre. Hein.
Il s'est relevé en pif tout de même. Voilà. Celui-ci était safe. Bonne garde là-dessus. Il a maintenant sa super. Faut attaquer. Non, sans déconner. Oh, il a été sauvé par le coin. Il a peut-être encore une petite chance. Oui, magnifique contre du lot. Pour repartir en combo. Ah, ça whiff. Ah, le coup de pique. Oh, et voilà, il a mis au pif ce morceau. Oh, la chatte qu'il a. Oh, la chatte. Oh, la chatte. Oh, il a chatté deux fois le mec. Hein. Pourtant, c'est autre perso qu'a le tigre. J'avoue, il a chatté deux fois. Alors, juste rassurer les gens qui viennent d'arriver sur le stream, ne vous inquiétez pas, il y aura du Street 4, il y aura de la Top Hanga League après la première. Après bien la sûr, pause, bien vous sûr, pas. Sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Première partie, je me dois, non, en passant en pif, de parler de plein de trucs. Bah, le jeu de combat en général, c'est pas Street Fighter 4 l'émission, quoi. Exactement. Punaise, il a eu de la chance. Là, il a vraiment eu de la chance. C'est que déjà, rien que le somersault qui est passé au Nanto Pif Token, tu sais, il en avait placé deux dans la garde, il s'était fait Signed. Là, il le sort comme ça au pif, vla, juggle et combo gratuit derrière. Mais il y a le combo qui a whiffé. Et l'Okizeb, il le réussit, on ne sait même pas comment. En tout cas, les Japonais ouvrent le score. Et là, c'est le David Jin coréen. Il me semble qu'on l'avait vu l'année dernière en plus. Soyeon Dori. Je vous spoil, ce David Jin est pas gentil du tout. En fait, c'est. Déjà, le perso est violent as fuck. Mais en plus, bah, le coréen qui le joue est extrêmement fort. Et ce petit chop low qui est allé chercher extrêmement loin. Ouais. Son adversaire, histoire de faire quelques petits dégâts, il essaye de lui rendre quand même quelques low kicks. C'est pas vraiment ce qui va faire non seulement mal, mais ça peut provoquer des contres. Et en counter, tu peux avoir un petit stun supplémentaire. Continue de piffer les lows. Il était pile poil à la distance où le low whiff. Et là, c'est direct le coin. Bra! Et chop spé, je sais pas si t'as vu la barre. Et derrière il y a combo, bam bam bam, sur l'Okizem. Il a même mis un OTG. Oh, l'Okizem s'est raté. Et t'es décédé, mon gars. Oh non, il a raté le combo. Mais c'est pas grave, l'Okizem est encore réussi, magnifique. Quasi perfect, hein. Quasi perfect. Sur une glissade whiff, hein. Une seule glissade whiff, hein. Il lui a mis 100%. Voilà. Ça va le faire. Je pense que ça va lui faire réfléchir quand même, hein. Ah bah c'est Tekken 7, hein. Si. Le jeu. T'as plutôt pas intérêt à déconner. Ah, oh, puis là, il va encore avoir quelques hits de juggle. Choper, récupérer. Bon, ça va pas faire extrêmement mal. Il va surtout l'attendre sur l'Okizem. Il le remet en low. Il a pu le repêcher en OTG. Très très puissant de pouvoir faire ça. Notez que la différence des combos, bonne des shops ici. Et sur la des shops, il peut contrer. Mais encore un summer solo pif qui le met dans le coin. Il a chargé. Oh, il va quand même pas l'imbloquabiliser. Blam! Tir laser en OTG. Mais c'est quand même sauvé par le Shane qui a réussi à s'extirper du coin. La garde est importante. Moi, c'est bon, il le chope. Ça va faire un partout. Mais il a de la chance, hein, tout de même, hein, de réussir à se faufiler comme ça sur des high kicks qui sont tout de même extrêmement lisibles. Vous voyez, ça, c'est super lisible. Ça doit être safe, c'est lisible. En fait, le problème, c'est pas une fois dans la garde. Dans la garde, c'est safe parce que le startup est lent. Mais le gros problème, c'est que si le mec te l'anticipe, il te launch au milieu et là tu prends launch counter, t'es déjà en l'air au moment où il te launch, ce qui fait que t'as des combos, t'as des hits additionnels dans les airs que tu peux rajouter et ça fait mal, hein. Ouais, voilà, ça c'est un frame trap, il l'a entièrement placé, il a voulu taper juste après, hein, ce kick en garde, mais évidemment bah, le contre était là et ça sent le décès, hein, quand même. Oh, la barre, mon gars. Ah, il est parachine. Ouais. L'eau à la relevée, hein, le petit low kick à la relevée pour tuer, c'est la base, hein, c'est le dragon qui gratte. Encore une fois, pile poil à la distance pour que la glissade whiff. Ça se demandait pourquoi le japonais continue de faire whiffer ses trucs. Alors, est-ce qu'il va détruire le stage? Non, toujours pas. Encore high kick dans la garde pour essayer de le choper avec le coup de pied sauté. Mais c'est tellement bien évité. Par contre, il l'a repris. Et Shine, il déconne 0, hein, sur le... les combos. Tu sais, le combo là, il a pris 50%. Mais il y a super. En combo, c'est ramassé. Attends, il se lève. Je me lève et je confirme. Ah, mais je voulais voir l'animation. Ah, ils ont pas envie. Ah, ils s'en battent. Alors, les je sais pas si t'as entendu, hein. Mais en fond, dès que le japonais a joué, ça c'est oi, oi, oi. L'ambiance est vraiment craquée, hein. Ah, bah, l'ambiance est full Japon. On est au Japon à chaque fois. Mais là, ils risquent de se faire bourrer. Il y a 4 à 1, mon mais gars. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que dès qu'ils ont une touche, ils essaient vraiment de mettre le plus au coin possible. Dès qu'ils ont un low qui passe, c'est quasiment sûr que l'adversaire est contre le coin. C'est toujours garanti, vraiment, le combo. Ils sont vraiment optimisés dessus sur le déplacement, sous le placement de l'ennemi. C'est phénoménal ce qu'il lui a mis ici. Allez, Kalei pour la team beaucoup
Aikayo, qui est le dernier joueur de la team japonaise et qui va devoir affronter en 3 ce Devil Jin. Ah, il paraît qu'il y a un stick power, tiens. Quasiment reverse aussi. Hein? J'ai pas déjà dit, ça joue stick power. Ah oui, oui, en fait, on a installé pour les Coréens un stick spécial qui sont des sticks coréens. Les Coréens jouent avec ça. Donc on change le stick à chaque fois qu'ils jouent. Change le panel. Pour qu'ils puissent jouer avec leur matériel afin qu'il n'y ait pas d'embrouille. Ah, j'étais pas sur mon matos, j'ai pas ma config, tu vois. Il n'y a aucune embrouille. C'est Kasumi encore en face. Et c'est parti pour probablement le dernier match. En tout cas, cette Kasumi n'arrive pas à exterminer le Devil Jin. Bon gambit d'ouverture bien carotté. Le tigre qui se téléporte et overhead en Okizem peut remettre un bon gros 40% de bar. Bla, re-tigre, re-Okizem. Non, Okizem marchera pas dans ce décor qui n'a pas de bordure, qui est infini. Eh bien, les combos ne peuvent pas être étendus, évidemment. Mais, on peut beaucoup se déplacer et surtout, se mettre à l'abri de très très loin sans avoir peur de reculer et de backdasher dans les décors. Des décors qui existent depuis le 1 d'ailleurs. Pour le Kikili dans la gare. Bien joué. Ah, c'est bien quand ça met ça dans la garde, ça fait plaisir. Oh, par contre, ça, c'est dans la tronche. Hein. Elle essaie de nous remettre un petit deuxième sur la relève, mais c'est pas rentré. Et on voit cette espèce de Zaneiken de Kasumi. Fait de l'aïkido. Hein. De toute façon, tous les persos qui s'appellent Kasumi doivent faire de l'aïkido, je pense, dans les jeux de combat. Ça doit être la base. Il y a la même dans KOF, hein, et dans Art of Fighting. Voilà, bien repêché sur la mise au sol. Blum, un petit coup de launcher histoire de la repousser et de retenter un mind game 50-50 en haut, en bas. C'est repassé. Il se décale, chop, bien joué. Bla. Et c'est KO. Ça, c'est superbe, hein. Joliment, la face, rien chop. Ouais, c'est ça, t'es là, t'sais, il lui a fait low, puis overhead, et là, à la fin, chop, et il a tout pris. Et là, il est à 2 points du match, là, pour le moment. Carey qui va reprendre ce contre. Pas, vous voyez, il le relève pas. Là, il se décale, il fait dash rien, parce qu'il attend le coup, le contre ou la chop adverse. Et ça met un petit coup de pression. Et je trouve que le japonais gère super bien ses 50% de barre, hein, quasiment, hein, ce combo-là. Magnifique garde à la relever. Je sais même pas comment il a fait pour garder dans le dos. Mais il a placé un launcher au Nanto Pif Token. Ça va faire très mal. C'est surtout l'Okizem qui est important. Il a pris ce mid-kick en pleine garde. C'est parfait. On pousse de façon safe. Et le dragon dans le vent. Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'il y avait combo. Hein. Je crois que c'était combo. Et que combo a été raté. Le dragon est sorti trop tard. Malheureusement, allez voilà, launcher direct. C'est 40% de barre, mesdames et messieurs, sur le BNB du perso. Hein. Ça, si vous savez pas faire ça, vous ne pouvez pas jouer à Tekken. Voilà, et c'est bon, il reprend 40%, il est mort. Bang, bang, bang. Bang, bang, et tigre fou. Voilà, perfect, merci. Voilà. Deux ouvertures. Allez, et balle de match est sauvée. Il y a balle de match Luffy, balle de match Daimyon, bien sûr. Et là, le Japon n'a pas le droit à l'erreur, hein, se rendre et doit être remporté. Oh, ah, c'est ce dragon au pif. Alors, autant dans Street Fighter, t'as le droit dragon au pif, autant dans Tekken, dragon au pif. Hein, c'est quand même un plus de mid-bar dans la tronche. Bon, là, c'est toujours le même combo, vous commencez à le connaître au bout d'un moment. Mais comme il est parti sur pas le même genre de contre, il a pris high kick, il y a pas la garde. Y'a pas la garde, donc ils aiment, ça pifle le launcher! Launcher piffé en pleine garde et les Coréens de la team Superstar Fit Twitch viennent d'atomiser la team japonaise en finale de cette Master Cup sous un applaudissement absolument délirant. Les Coréens qui viennent encore une fois au Japon pour exploser les Japonais. C'est beau, c'est tellement beau. C'est beau, Giga Etienne. C'est beau un monde qui joue. Hein. Mais oui, mais c'est ça les jeux de combat. C'est ça. C'est la passion des gens. C'est la passion qui se, comment dire, qui se partage au travers des points et de sticks à poire. Tu sais, les Japonais, ils ont que les jeux de combat. Ils sont clairement nuls à tous les autres jeux. Non, attends, excuse-moi, le rugby, ils ont l'Afrique contre l'Afrique du Sud, ils sont démerdés quand même. Hein. Non mais je parle de... jeu de combat, jeu électronique. Ah. D'accord, ils sont forts en fléchette aussi, en darts. Mais sinon, ils se font bourrer à la... Tu vois, je sais même pas s'ils jouent vraiment à LOL, enfin Dota, tout ça. Mais je sais pas s'il y a des joueurs professionnels de FIFA, vu qu'il y avait les Winning Eleven qui étaient quand même super... Peut-être. Je sais pas. Mais globalement, ils sont assez nuls. Tu vois, leur jeu, c'est les jeux d'arcade. Et le dieu des jeux d'arcade, c'est les jeux de combat. Et quand tu te dis que même les Coréens qui jouent à League of Legends et à Heroes of the Storm arrivent chez toi
pour te bourrer sur Tekken, tu peux te dire quand même qu'il y a un souci, non? Hein? Ah, mais tu sais, en même temps, il faut bien la diversité. Je veux dire, est-ce que les Japonais sont bons à tous les jeux de combat? Je pense que karaté, il les prend sur des jeux de combat. Hein. Peut-être. Ah bah si, le Japon en rugby, ils sont champions du monde plusieurs fois, non? Double? Non, pas en rugby. Non, football américain, ouais, sont champions. En football, bah oui, pas en rugby. Football américain, ils sont champions du monde plusieurs fois, deux fois, je crois, champions du monde. C'est ça, après les Coréens, ils sont quand même plutôt plus mobile, plus StarCraft, hein, finalement. Hein. J'avoue, les joueurs de StarCraft, en même temps, les main games étaient du côté coréen. Il y a pas, enfin, si on compte le nombre de pifs, c'est le Japon, il a piffé toute sa vie. Hein. Pif de dragon, pif de launcher, pif de relevé, pif de glissade. Ouais, mais la les glissade, mecs, ils ont c'est, tout c'est... piffé. Ouais, mais si ça marche trois fois, ils disent, tiens, pourquoi pas mainline une deuxième fois, parce que ça fait qu'une ouverture de garde. En plus, ils s'échappent du corner comme ça, c'est tout bénef. Hein. Il met l'adversaire en corner, ça fait une ouverture, il est bien, hein. Oui, les shoot'em up aussi, les shoot'em up sont aussi rois. Dans les salles d'arcade, bien sûr, et les jeux musicaux. Ah oui, en jeux musicaux, en revanche, ils sont intestables. Quoique les Coréens, ils touchent. Hein. Ouais, mais Coréens, c'est plus... Oui, mais en fait, ils ont des jeux à eux, genre les Pump It Up, mais ils ont des jeux coréens, ils ont carrément des jeux musicaux à eux. Ouais, j'avoue. Mais tu vois, autant les Japonais, c'est des mecs du high score et des jeux de combat, autant bah, les Coréens, ils jouent à des jeux où ils gagnent de l'argent, quoi. Ils jouent au bon jeu, quoi. Allez, on fait une page de pub et tout de suite, donc après la pub, on passe à la Topanga League A, les phases finales. Qui a remporté cette Topanga League et est-ce qu'il y a embrouille ou non? En tout cas, les matchs que nous allons vous passer sont d'une rare beauté. Restez avec nous juste après une petite page de réclame. À dans 5 minutes.